des femmes et des hommes présents partout sur le territoire. Jeunes agriculteurs du Rhône rassemblent 8 cantons sur l'ensemble du département. Alors, allons les rencontrer et continuons avec les jeunes du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset. Samuel Pupier, installé depuis le 1er décembre 2019, en GAEC sur la commune d'Aulte-Thiouart, en Beauvais. Yoann Descultueux, donc je suis à l'MFR de Saint-Laurent-de-Chamousset, donc je passe mon bac cette année. Je suis au GIO depuis cette année et je suis de Saint-Clément-les-Plasseaux. Marc Payet, installé sur la commune de Montaultier depuis le 1er septembre 2019 en élevage bovin. Aline Lardelier, installée sur la commune de Montaultier depuis 2011 en production vache laitière en agriculture biologique, avec un atelier de diversification en arbo spécialisé en cerises. Raphaël Goutani, installé depuis le 1er mai 2013 sur la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset en production laitière et cerises. Bonjour, je m'appelle Julien Arquière, je me suis installé le 1er janvier 2018 sur la commune de Saint-Julien-sur-Bibeau en production fruitière. Bonjour, Julie Morel, je suis installée sur la commune de Chambolenchêne et je cultive des plantes aromatiques. Je cultive et je transforme en une large gamme de produits alimentaires. Bonjour, je m'appelle Mathieu, récemment installé en GAEC avec mon père en exploitation bovin-lait sur la commune de Longesaigne. Emmanuel Feuillard, Montretier, installé depuis janvier 2019 en bovin-lait. Nathan Pascal, à la MFR de Saint-Romain-de-Popet et j'habite sur la commune de Brouilleul. Moi, c'est Sébastien Legrain de Montretier. Je me suis installé le 1er janvier 2018 et en bovin-viande. Bonjour, je m'appelle Bastien Denis, installé en GAEC sur la commune de Courzieux à Troyes, associé en production fromagère, en vache et chèvre et l'autre partie du lait de vache et vendu en laiterie. Je m'appelle Émeric Duclos, je suis salarié agricole à l'entreprise Thierry Vernet à Besnay en tant que chauffeur agricole. Là, je suis en projet d'installation, en projet Caprin avec la reprise de l'exploitation de mon père. Gaël Emmanuel, en parcours d'installation, pour m'installer au 1er janvier 2021 en bovin-lait sur Saint-Laurent-de-Chamousset. Je m'appelle Dominique, je suis installé depuis 2009 sur la commune de Brouilleul en production laitière en agriculture biologique. Bonjour, je m'appelle Loïc Morel, je suis producteur de lait en bio à Bessonnet. Bonjour, Michael Guillou, installé sur la commune de Brouilleul depuis janvier 2011. En agriculture biologique en vache laitière. Je m'appelle Chausson Jean-François, production laitière à Brouilleul. J'ai installé depuis le 1er avril 2012. Un horizon s'offre à vous, des monts et des vallons. Aucun doute, ce sont les monts du Lyonnais. Alors n'attendez plus, venez découvrir les animaux et les agriculteurs qui façonnent ces beaux paysages.